Salut à tous, c'est Patrick Ronda sur Metal Impact. Assez tard, j'ai commencé à 17 ans, je suis pas du tout d'une famille de musiciens, c'était vraiment le hasard à l'époque. La télé c'était que de la variété, très peu de rock, quelques émissions mais très peu. Et en fait je suis passé chez un disquaire à côté de chez moi avec mon frère. J'avais absolument aucune notion de musique, hein. J'écoutais ce qui passait à la radio, je connaissais absolument rien. Il y a quelqu'un qui demandait à écouter un album de Ronnie Montrose avec un riff du genre... Et je me suis demandé ce que c'était, je me suis dit waouh. J'ai acheté l'album. Et ça a été le déclic, en fait, c'est parti de là, donc c'est totalement le hasard. En plus, à l'époque, il y avait Carlos Santana qui faisait Europa, qui passait à la télé, donc voilà, c'est un petit peu ces coïncidences-là qui m'ont fait aller vers la guitare électrique. De toute façon, il n'y avait pas d'école, il y avait le conservatoire, mais à 17 ans, c'était trop tard, et il n'y avait pas d'école de musique actuelle comme il y a maintenant. Il fallait te débrouiller, hein. Écouter les albums, aller voir les concerts, et c'était le seul moyen de découvrir la musique par l'oreille, ouais. J'ai commencé tout seul, pendant 2-3 ans. Et ensuite, j'ai pris des cours avec deux profs, Jean Rico et Patrick Decker. Avec deux profs, j'ai pris un an et demi de cours avec chaque pour travailler l'harmonie, un peu la technique. Parce qu'à l'époque, j'avais une main droite un peu anarchique, je jouais un peu comme ça, j'avais toujours la main ouverte. J'ai commencé à découvrir Aldi Meola, donc tous les jeux qui sont aller-retour, c'est-à-dire avec une attaque, une note vers le bas, une note vers le haut, ainsi de suite. Et donc Jean, notamment, m'avait fait rectifier ma main, m'a fait fermer la main, travailler plus avec le poignet, etc. Donc ça a un petit peu commencé à structurer mon jeu. C'est toujours difficile de résumer les particularités de son jeu. Personne n'a tout inventé, surtout moi déjà. C'est souvent le mélange de plein d'influences et l'espèce de cuisine qu'on fait qui finit par avoir une identité plus ou moins marquée. Alors il y a des gens que je qualifie de génie de la musique ou des gens qui sont hors du monde un peu. Je pense à Jimi Hendrix à l'époque, je pense à Eddie Van Halen à une autre époque. Je pense à des gens qui sont vraiment en avance sur leur temps et qui arrivent avec quelque chose de totalement différent de ce qui existe. Pour les autres, les laborieux, c'est en fait à force de travailler, de mélanger les influences, les différentes périodes de ton évolution musicale, ce que tu as écouté. Moi, ça a commencé avec Deep Purple, avec des riffs simples. Hein, des riffs basiques comme ça, ou les Ten Nugent. Puis Van Halen a eu un impact. C'est évident que ce... Ces sons. Ça, c'est lui qui a amené ça. Hein. De toute façon, ça n'existait pas avant. Ça a apporté des choses aussi dans mon jeu. Le gros truc, ça a été Aldi Meola, en fait. D'abord Richie Blackmore, Ted Nugent, etc., Van Halen, puis Aldi Meola. Ça a été la plus grosse influence sur mon travail de guitare, en fait. C'est-à-dire d'être capable de jouer... C'est-à-dire de faire toutes les notes. Parce qu'il y a plusieurs techniques en fait, il y a soit tu joues lié les gâteaux, c'est-à-dire que tu n'as que la main gauche qui travaille, soit tu as des techniques de sweeping que j'utilise quasiment pas, qui sont en fait un balayage, où quand tu changes de corde, tu rattaques vers le bas, c'est un truc que je fais pas. Et Aldi Meola, c'était vraiment le gros changement. Donc je pense que si je devais résumer mon son, c'est un mélange à la fois de métal, de néoclassique, d'abord par Richie Blackmore, par Rainbow, un peu de musique progressive, un peu de jazz rock, enfin là j'écoutais plein de choses moi, hein, donc c'est un petit peu le mélange de tout ça. Si tu veux, j'ai pas été systématiquement sur le style néoclassique d'entrée, ça a été une influence parmi les autres. Je crois que comme beaucoup de guitaristes, je suis un violoniste frustré. On dit souvent que les bassistes ont des guitaristes frustrés, mais moi je dois être un violoniste frustré. Donc évidemment, j'ai été fasciné par les phrases de Richie Blackmore, les arpèges un peu classiques. En même temps, comme je te disais, j'aimais bien Ted Nugent et des choses plus basiques. Quand j'ai commencé à prendre des cours de guitare et travailler à Aldi Meola, j'ai stoppé totalement, j'écoutais plus de métal du tout. Hein. J'écoutais que du jazz rock, alors Weather Report, Chick Corea, Scott Anderson, Alan Holdsworth, plein de gens qui n'avaient plus rien à voir avec le métal. Et j'ai un copain, Frédéric Guillemet, bassiste, qui a joué dans Trust, dans Warning, et qui a fait jouer sur mon premier album, qui écoutait pas mal de métal et qui m'a toujours, on va dire, maintenu informé. Et voilà, et qui me faisait écouter des groupes genre Dokken, Rat,
qui m'a fait découvrir Malmsteen aussi, qui a eu un impact énorme sur la musique néoclassique et métal. Et il y avait une similitude de jeu entre ce que faisait Malmsteen et moi à la même période. C'est-à-dire que moi, le mélange entre Aldi Meola et Blackmore, ça donnait un truc un peu dans la même mouvance, même si lui n'a pas une technique d'aller-retour dans son jeu, c'est plus du sweep et du legato. Mais malgré tout, en écoutant comme ça, d'une manière avec une distance, ça pouvait être de la même famille. Donc je crois que ça m'a ouvert des portes. J'ai fait un premier groupe en 84 avec Frédéric, justement, et j'ai commencé à mélanger un petit peu mes notions de jazz rock avec le métal, et je me suis retrouvé à une période où les gens attendaient ce genre de guitare, et donc j'ai fait une maquette instru, et c'est ça qui a lancé un petit peu tout. On fait de la cuisine, et à des périodes de notre vie, on a envie de certaines choses. J'ai eu des périodes plus progressives dans ma carrière, des périodes plus basiques, plus néoclassiques, plus planante. C'est un petit peu ce qui me plaît en fait dans la musique, tu vois, c'est d'être ouvert, hein. C'est de ne pas rester parce que d'un côté j'aime bien des riffs qui peuvent être genre donc des trucs assez lourds comme ça, et des fois bon je vais faire des choses plus sensible, avec peu de notes, plus planante. Il faut aussi aller en fonction de ses envies, en fonction de son âge aussi. À 17 ans, tu ne fais pas les mêmes choses qu'à 20, à 30 ou à 50. Et je crois que, voilà. Et puis ça fait partie des personnalités. Tu as des groupes comme AC/DC ou des gens comme Malmsteen qui gardent le cap, quoi qu'il arrive, de 20 ans à 60. Et d'autres qui, d'album en album, partent ailleurs. Je crois qu'il n'y a aucun des deux qui est critiquable. Je crois que ça reste avant tout des choix de personnes, de personnalités et des choix artistiques. Je ne sais plus qui avait dit, c'est un peu comme au Far West, tu trouveras toujours un mec qui tire plus vite que toi, qui va te dégommer. Et je crois que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est une course perdue d'avance et qui a très peu d'intérêt. Le fait d'axer sur la technique et sur la course de la vitesse, ça n'a jamais fait partie de mon objectif. Quand tu travailles un instrument, où tu mets le curseur? Ça peut être sur la vitesse, ça peut être sur le son, etc. Et je crois que la première des choses à avoir sur un instrument, c'est la sonorité, c'est le timbre. C'est pour ça que je ne me suis jamais considéré comme un shredder, en fait. Ça ne fait pas partie de ma façon de travailler l'instrument. Je mets des cordes assez dures, j'ai une action assez haute, je mets pas mal d'attaques à la main droite. Tous ces éléments-là te font perdre de la vitesse, si t'es axé uniquement là-dessus. Mais en même temps, pour moi, ça fait partie de l'expressivité. On associe la technique à la vitesse, et c'est une erreur. C'est-à-dire que dans la musique classique ou dans la musique en général, la technique, ça comprend la vélocité, donc la vitesse, ça comprend les accents, ça comprend les attaques, ça comprend un beau vibrato de main gauche. Si tu prends un violoniste, par exemple, qui a un vibrato pourri, on va jamais dire qu'il a de la technique. Donc pour moi, quelqu'un qui va vite mais qui n'a pas de son et qui a un mauvais vibrato, il manque de technique, même si ça va vite. Le choix à faire, c'est pas technique ou pas, c'est s'en servir ou pas. C'est pas laisser ses lacunes choisir pour soi, c'est choisir en fonction de ce qu'on sait faire. Donc moi, mon idée, elle était là, c'était travailler mon instrument, avoir une sonorité, avoir une vélocité, avoir un son qui m'intéresse, et après, je m'en sers ou je m'en sers pas. C'est en fonction de mes envies, de mes goûts, etc. Enfin, moi, c'était l'optique que j'avais. Voilà. Est-ce que j'ai trouvé vite le plaisir dans la musique? Est-ce que j'ai été vite satisfait? La réponse est non. C'est assez frustrant, la musique, enfin, me concernant. Hein. J'ai toujours considéré que c'était beaucoup de boulot et beaucoup de souffrance. Je commence seulement à me faire plaisir avec la musique. Il y a des riffs que j'adore. Ça fait partie des riffs que j'ai joués quand j'étais jeune, que j'aimais bien, et où le fait justement de faire sonner les notes, d'avoir des longs vibrés sur les notes, j'avais plaisir à ça. Mais la musique, c'est... on est tellement confronté à soi, à ses imperfections en permanence, toujours en évaluation permanente, que pour moi, c'est difficile. C'est pas un truc où je peux facilement trouver du plaisir. Mais ça arrive. Alors les moments dont je suis fier dans ma discographie, en fait, il y en a peu. Je pense qu'il y a le titre World of Silence sur le deuxième album. Ça a été vraiment un truc important de faire un morceau totalement acoustique pour moi. Ça a été un challenge. Sur l'album Amphibia, je crois qu'il y a le morceau Amphibia, donc qui fait 28 minutes, qui est pour moi qui a été un gros cap. Qui avait des riffs un peu avec des mesures impaires. Des riffs comme ça, un peu
en mesure impair, donc là en mélange de 5-4 et 4-4. J'avais commencé un peu avant avec Rap of the Earth, avec Mindscape. Donc là où on a des mesures 7-8, donc de sortir des choses carrées. Alors ça, c'est venu par le jazz rock, justement, par Aldi Meola. Dans Amphibia, il y avait tout le côté planant, très inspiré Pink Floyd aussi, par moments. J'ai commencé par des choses assez simples, c'est-à-dire certains morceaux étaient juste... avec des phrases un peu liées comme ça, des choses un peu comme ça, puis des parties un peu plus néoclassiques. Ensuite, des choses, comme je disais tout à l'heure, sur Mindscape, c'est-à-dire des choses plus avec des mesures composées. Puis des choses plus lourdes, plus heavy. Et dans le jeu de guitare, en fait, j'ai au départ commencé par des choses assez basiques. Donc mélanger des pentatoniques, donc les gammes basiques de blues. Ensuite, j'ai intégré des phrases mineures. Donc lié comme ça, donc plus dans l'ordre, c'est-à-dire donc des choses assez dans l'ordre comme ça. Puis j'ai commencé à travailler sur des intervalles, c'est-à-dire donc plus sur des choses un peu plus avec des sauts de cordes, plus d'intervalles dans les écarts. Le vibrato aussi a changé. Je pense que ça, c'est des choses qui continuent en fait à évoluer. Alors, je vais paraître sombre, mais j'ai l'impression quand même que j'ai mon plafond de verre au-dessus de la tête. C'est un truc que j'accepte. Hein, je crois que c'est en fonction de tes choix, de l'environnement, de ton pays, de la culture du pays, des nouvelles technologies. Enfin, tu as plein de paramètres qui te dépassent, hein, qui t'entourent. Donc, si tu veux, je ne me prends pas la tête plus que ça. Je fais de la musique, j'en vis, je profite des gens avec qui je suis dans mon entourage propre. Ma famille, je profite du temps qui me reste et le reste, je me pose plus trop de questions. Je pense faire un album, enfin je suis dessus, j'ai un peu du mal à le finir pour dire la vérité, parce que j'ai du mal à trouver la motivation, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre la façon dont la musique a évolué. Déjà les albums, tu les vends quasiment plus, enfin t'as des gens qui vendent énormément encore, et après on sombre vite dans les méandres des ventes, et après on tombe sur une quantité d'amateurs qui jouent bien. Quand je dis ça, amateur, c'est pas péjoratif. Hein. C'est des gens qui ont un boulot à côté et qui font des choses et qui produisent énormément de choses. Donc il y a une espèce de masse de choses qui arrivent sur le net, quelques gros vendeurs, et c'est difficile de trouver sa place. Et en plus, pour un artiste maintenant, tu dois être à la fois photographe, maquettiste, ingénieur du son, guitariste, compositeur, agent artistique, tout un tas de choses qui, moi, me paraissent totalement... impossible d'arriver à dire j'ai un nouvel album, il déchire. Pour moi, sortir cette phrase-là, ça me paraît, c'est de la science-fiction. Je sais pas comment ils font, tu vois, les gens pourraient être aussi positifs sur leur travail. Tant mieux, hein, c'est pas une critique à nouveau. Mais moi, c'est carrément inenvisageable. Et c'est pas de la comédie, c'est juste que je le pense pas. Parce que j'ai pas été élevé comme ça et je suis toujours dans l'autocritique et dans le... ça me correspond pas. Donc c'est difficile pour moi de trouver ma place dans tout ça et de faire des albums. Donc j'en fais un, je suis dessus, ça avance doucement. Je ne peux pas te dire que j'ai des projets spécifiques liés à la musique qui me font craquer. Quand j'étais plus jeune, par exemple, rejoindre un groupe, tu vois, comme a fait mon copain Kiko Loureiro avec Megadeth, c'était un rêve, tu vois, quand j'étais plus jeune. Maintenant, je crois que ça serait plutôt un cauchemar. Ça ne correspond pas du tout à la vie que je veux avoir. J'ai envie de profiter de la vie et pas uniquement à travers la musique. Quand je parlais de plafond de verre, c'est sans rien changer de ma façon d'être, ça ne peut pas changer. Voilà, si je veux aller vers autre chose, il faut remettre des choses en question dans mon comportement, dans tout ça, chercher des plans, se battre pour et déboucher sur des choses que je n'ai pas envie forcément de faire. Oh,
La lucidité, pour un musicien, ça fait partie, être lucide, humble, patient et déterminé, ça fait partie des qualités à avoir. En même temps, je n'ai pas dû l'être tout le temps, sinon j'aurais même pas commencé. Donc si tu veux, je devais être un peu moins lucide étant jeune. Après, tu es lié à un environnement, tu es lié à un pays. Enfin, on est un pays de chansons, on n'est pas un pays de musique. Hein, ici, enfin, il y a la musique classique, il y a le jazz et la chanson. Le métal, c'est anecdotique. Bon, tu as des gens qui arrivent, hein, qui font des démarches. Je pense à Gojira, qui, à force de se battre et de gérer leur truc avec passion, bah, ils sont arrivés à quelque chose et c'est totalement mérité. Mais c'est vrai que c'est pas le pays le plus facile pour ça, parce qu'on est sur un pays d'analyse, on préfère les gens qui parlent des choses que les gens qui les font. Et donc c'est difficile, le métal passe pas dans les médias. Les gens qui écoutent du métal jeune, généralement, on n'écoute plus quand ils vieillissent, ce qui n'est pas le cas quand tu vas en Allemagne, par exemple. Tu vas voir un concert de métal en Allemagne, tu vois des mecs de mon âge, j'en ai même vu des plus vieux hein, qui allaient au concert, qui continuent à avoir des groupes des années 70, 80 et qui font des tournées en Allemagne. Ici, les gens, on dirait que c'est une erreur de jeunesse. Moi aussi, j'ai de gens qui me disent moi aussi, j'avais les cheveux longs, j'ai écouté du métal, mais qu'on n'écoute plus, qui ne sont plus là-dedans du tout. Quand on travaille son instrument, la première des choses à travailler, c'est le son, c'est-à-dire la conviction. C'est-à-dire si je joue normalement, par exemple. Ça, c'est le son de l'instrument. Normal. Donc ça, c'est la sonorité. Donc si on fait pas... Il y a un travail à faire sur le son, c'est-à-dire que les gens pensent toujours que c'est le matériel, alors ça a une influence, mais c'est évident que c'est pas primordial. Vous faites passer n'importe quel guitariste sur ce matériel-là, à cet instant-là, vous allez reconnaître tout le monde, hein. Malmsteen, James Hetfield, qui vous voulez, vous allez les reconnaître. Donc déjà, trouver un son, travailler sur ça. Les choses importantes, le placement rythmique, l'intention, c'est-à-dire la conviction quand vous jouez. Il ne faut pas être un récitant, il ne faut pas être... Voilà, on n'est pas là pour ça, ça n'a aucun intérêt. Donc d'essayer de mettre de l'attaque, du rythme quand on joue, c'est important. Et ensuite, il y a un travail de l'instrument de connaissance, c'est-à-dire qu'il faut... Bah, il faut Donc ça veut dire connaître ses gammes, c'est-à-dire les connaître... Donc en vertical, en diagonale. Et ainsi de suite. C'est-à-dire vraiment connaître librement son instrument. C'est-à-dire pas uniquement par des plans, mais même... pouvoir être totalement libre, avec toujours un rythme quand on joue. On doit comprendre ce que vous jouez. Bonne pioche. Non, musique classique, Amphibia et album avec Hervé Nkawa. À l'époque d'Amphibia, quand on a fini l'album Amphibia, et c'était produit par Jean-Michel Jarre, hein, et Jean-Michel me dit, tiens, il nous manque un titre un petit peu plus ouvert, plus grand public, mais sans pour ça faire un truc commercial au sens large ou un truc qui est hors sujet par rapport au concept de l'album. Et son truc, ça a été, bah, écoute, comme tu bosses pas mal de pièces classiques pour t'échauffer, tout ça, essaye de trouver une pièce classique qui peut marcher dans le concept de l'album.
Alors, j'ai essayé plein de choses, plein de morceaux. Je suis tombé sur le presto des quatre saisons et ça a été suite à ça que j'ai enregistré donc ce presto de Vivaldi. Bien des années plus tard, j'ai rencontré lors d'une masterclass Hervé Nkawa, pianiste classique. On a fait une masterclass ensemble et on a joué quelques morceaux issus du répertoire classique que j'avais bossé. Ça a été un plaisir et une révélation de jouer avec un pianiste, de me retrouver dans une situation de violoniste. C'est-à-dire que dans la musique classique, les rubato, les ralentissements, etc., les nuances, tout ça, ça fait partie de l'écriture musicale et de l'émotion. Que dans les musiques dites actuelles, généralement, 9 fois sur 10, c'est tout au métronome. Alors il y a des décompositions, des choses comme ça, mais c'est rare qu'il y ait des. Voilà. Et en tous les cas, quand c'est fait au clic. La musique classique, on la travaille des fois au métronome pour la déchiffrer, mais quand on la joue, c'est vraiment. Très différent. Et donc ça a été à la fois une expérience difficile, parce que c'était vraiment compliqué à jouer, et une expérience intéressante musicalement. C'est quoi ça? Ah, Elegy, hein, un groupe hollandais de metal prog. En fait, j'ai été invité à l'époque par Yann Parry, qui était chanteur d'Elegy, pour un projet qui s'appelle le Consortium Projet. Voilà, faire venir plein de gens de plein d'horizons et de jouer sur un album. Alors, il avait composé les morceaux, il a demandé à plein de musiciens. Et on avait fait un concert en 91 avec plein de groupes en France, un festival où il y avait Coroner, il y avait plein de gens. Et lui, il jouait dans un groupe qui s'appelait Vengeance à l'époque. Et puis moi, j'avais joué avec mon groupe. Et en fait, on s'était vu là et donc il avait envie de m'inviter. Donc, j'ai fait d'abord le Consortium Projet, puis ensuite, ils ont voulu remonter Elegy. On devait le faire au départ avec le guitariste d'Elegy à deux guitares, puis au dernier moment, lui, en studio, a décliné l'offre. Du coup, je me suis retrouvé à faire toutes les guitares de l'album. Donc des trucs assez syncopés, assez comme ça, très prog metal dans l'attitude. Et donc j'ai fait deux albums avec eux. On a fait pas mal de choses. On a tourné un petit peu aux États-Unis. On a joué un peu partout dans pas mal de festivals. C'était une expérience intéressante. J'ai eu du mal à un moment donné à cumuler ça avec mes propres concerts et mes propres albums. Je me suis lassé de ça dans le sens où je pense que je suis pas un guitariste suffisamment exceptionnel pour sortir du lot dans un truc chanté. Dans la musique instrumentale, j'arrive à trouver une identité dans les thèmes, dans les choses. Et là, j'ai eu cette tendance à penser que bon, ouais, et alors? Il y avait beaucoup de groupes de prog metal de super niveau, et puis voilà, j'avais l'impression d'être dans la masse du truc et de pas forcément d'apporter quelque chose. Donc après les deux albums, moi j'ai décidé un petit peu de lâcher l'affaire. Jean-Michel Jarre. J'ai jamais vraiment cherché à contacter des gens du milieu, on va dire français, variété, etc. Ça n'a jamais été mon truc. J'ai jamais contacté un chanteur, j'ai jamais été vraiment sideman pour des chanteurs de variété française. J'ai pas le truc pour, j'ai pas le son pour, j'ai pas l'attitude. Je m'en fous en fait. Donc j'ai pas fait ça. Et il se trouve qu'un jour j'ai été voir Extreme, super groupe de metal funk, et en fait, en allant les voir, j'ai vu Jean-Michel qui sortait de la loge de Bettencourt. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je pensais pas qu'il écoutait ce genre de choses, qu'il connaissait ce genre de personnes. Le lendemain, j'avais mangé avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Sabouret, qui est journaliste. Et en parlant avec lui, il me dit, t'as vu, il y avait Jean-Michel hier. C'est des gens, c'est vrai, tu devrais peut-être contacter des gens comme ça, parce que tu, voilà. Parce que je lui parlais à l'époque, je me posais des grosses questions sur mon devenir musical déjà, parce que je venais de finir mon deuxième album. Et puis, bon, j'avais arrêté avec la maison de disques, j'étais un peu dans des questionnements. Et il me dit, tiens, mais ça te ferait peut-être du bien de bosser avec d'autres gens. Et puis toi, bah, il y avait Jean-Michel hier, ouais, c'est vrai. Et en sortant de là, je me suis dit, tiens, j'aurais dû lui parler. J'ai eu un petit regret, donc je suis passé chez Dreyfus et j'ai laissé mon deuxième album et un press kit avec des photocopies des articles que j'avais à l'époque. Et Jean-Michel m'a rappelé 15 jours après en me disant, voilà, j'ai eu l'album, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Et c'est parti comme ça pour plus de 10 ans de travail en collaboration, à la fois sur ses albums. Et sur les concerts, et aussi sur les miens, parce qu'il a produit Amphibia, et il m'a aidé à produire On the Edge. Et il m'a laissé des belles places, il m'a laissé des intros sol, il m'a laissé le presto, la première fois que je l'ai fait, c'est avec lui, à la Tour Eiffel, en 95. J'ai joué à Wembley, grâce à lui. Bon, quand on part du Bourget comme moi, et qu'on n'est pas d'une famille de musiciens, il y a quand même très peu de chances d'arriver à Wembley un jour. Donc grâce à lui, j'ai vécu ça. Ça ne change pas fondamentalement la vie au quotidien. Mais bon, ça fait partie des choses que j'ai faites, donc c'est cool. Le plus gros que j'ai fait avec lui, ça va être le Champ de Mars. Il y a 800 000 personnes, je crois que c'est le plus gros. Et puis des grosses tournées de stades, on va dire entre 70 et 80 000 personnes, entre Barcelone, bon, Wembley, Manchester, enfin une tournée comme ça. On a joué au stade de Hong Kong aussi, la Cité Interdite en Chine. Enfin, on a fait des choses assez,
assez étonnante, et c'est un des rares Français à pouvoir faire ça, donc c'était vraiment intéressant. Et puis comme c'est une musique instrumentale, même s'il y a des choses très commerciales, j'arrivais toujours à trouver une place. Et puis à la fin, Jean-Michel me disait, écoute, sur des morceaux, c'est pas utile de mettre de la guitare, histoire de mettre de la guitare, donc certains titres, tu joues pas, et quand tu viens, voilà, ça amène une autre couleur, et donc je jouais sur la moitié des morceaux, plutôt pour apporter l'imperfection et le bruit. Voilà. J'ai trois Satriani. Ah, belle expérience, beau souvenir, ça. Mon tourneur de l'époque m'avait contacté parce que Satriani avait demandé à Gérard Drouot Productions, voulait faire un G3 avec des musiciens européens, donc il y a eu Michael Schenker, Uli John Roth, etc. Mais il demandait un peu dans chaque pays s'il y avait des gens qui pouvaient éventuellement joindre le truc, donc des gens qui aient déjà un nom, qui aient déjà un peu de public et dans l'esprit. Et donc bah moi j'ai envoyé Amphibia à Joe parce que je n'avais pas fini On The Edge, il était presque fini, j'ai eu son accord et donc j'ai participé à ça. Donc une quinzaine de concerts, vraiment une belle expérience, notamment les jams à la fin avec lui et Michael Schenker. De toute façon, travailler avec des gens comme Satriani, même le côtoyer, ça m'a apporté évidemment, ça m'a apporté parce que c'est quelqu'un qui allie vraiment la perfection musicale au feeling, qui a un jeu quasiment parfait, qui est très fiable, qui est régulier musicalement, qui joue vraiment bien, qui est super stable et qui a une belle interprétation de sa musique, et c'est difficile. C'est vraiment totalement maîtrisé. Le fait des fois de juste. Alors, sur des glissés comme ça que je faisais, hein, mais le fait de prendre le temps, de les placer rythmiquement, même au niveau du son en fait, parce que il utilisait à l'époque une disto sur un son clair d'ampli, et ça donnait une clarté d'ensemble. C'est-à-dire, il a un jeu beaucoup plus saturé que moi dans son set, son son est beaucoup plus saturé que le mien. Il a une attaque plus souple que la mienne, plus légère, et du coup ça donne un son qui est hyper clean, et ça m'a donné envie d'aller vers ça, trouver un autre moyen de gérer la distorsion et de travailler le timbre de l'instrument différemment. Masterclass ou concert? Quand tu fais du métal, quand tu fais des albums, le seul moyen de tourner régulièrement, c'est de faire un album régulièrement. On est dans une période où les disques, on ne les vend pas vraiment, par contre, c'est un support à tourner. Donc, ce qui voudrait dire qu'à l'heure actuelle, pour être bien, il faut faire un album tous les ans et demi à peu près pour faire une tournée. C'est un truc que je suis absolument pas capable de faire. Il faut accepter cet état de fait, et donc les masterclass me permettent de faire le lien entre les albums. Ça me permet de maintenir l'actualité, de jouer, de partager avec des gens. J'aime bien les deux en fait. Je pense que l'enseignement, le partage, ça fait partie de ma vie depuis le début, hein, depuis très très longtemps. Et le fait d'aller sur scène, c'est aussi un plaisir en même temps. Je disais tout à l'heure, ça peut être un enfer. C'est-à-dire que moi, pour moi, ce que fait Satriani, par exemple, de faire un album tous les ans et demi et de faire des tournées énormes à temps plein,
pour moi, c'est une vision de l'enfer. Hein. C'est un cauchemar. Plus jeune, c'était un truc. Maintenant, c'est pas un secret. Hein. J'ai 55 ans. Alors, ce que j'ai devant moi, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais je suis malheureusement dans ma vie, j'en ai vu beaucoup partir récemment et dans les âges proches du mien. Donc, je me dis, bon, il faut faire ce qu'on a envie de faire. 2 mois de tournée sur une année, ça me paraît bien. Plus, pour moi, ça me fait pas envie. Hein. Logo Grenouille, tiens, bah, qui est là d'ailleurs. Pourquoi ? Bah ça, c'est encore Jean-Michel. Hein. Il en a fait des conneries, celui-là. Quand on voulait faire l'album, il me disait, tiens, bon, comme ça serait bien qu'il y ait une distribution internationale, ça serait bien qu'il y ait un logo qui identifie le côté français. Alors, on ne va pas mettre une baguette, on ne va pas mettre un béret. Et au début, on voulait faire une pochette blanche avec une grenouille sur un lavabo. Et en fait, il y a un groupe qui s'appelle Silverchair à l'époque qui a sorti juste à ce moment-là une grenouille sur un truc. Et là, on s'est dit, merde, pochette ratée. Et puis Jean-Michel me dit, merde, ouais, mais l'idée de la grenouille, j'y tiens quand même, c'était cool et tout. Puis on en parle. Et puis par rapport à la musique, par rapport au côté amphibien, c'est-à-dire le côté très doux, aquatique de certains plans et des trucs plus durs terrestres, ça correspondait. Plus le côté français, plus. Voilà, il y a un peu de second degré, on trouvait ça sympa. Et il me dit, ouais, mais en fait, moi, j'ai une grenouille, un cas que je mets sur certaines projections. Et il me sort cette grenouille-là. Il m'a dit, on va essayer de trouver une pochette avec. Il a fait travailler des stylistes, on a regardé des graphistes et on a avancé là-dessus. Et puis on a fait donc la pochette d'Amphibia, et puis j'ai trouvé que c'était un logo sympa, voilà, du coup je l'ai gardé. Distorsion Elena, ben c'est ce que j'utilise aujourd'hui en fait. Steph, il était venu me contacter à un salon de la musique, et cherchait une distorsion, principalement, bon, par rapport à ce que j'avais dit sur Satriani, c'est-à-dire de chercher des fois d'autres moyens de générer la distorsion. Et puis au-delà de ça, la priorité pour moi, c'était de trouver un truc qui marche sur, j'allais dire, n'importe quel ampli. Bon, on parlait de Masterclass. Je joue 9 fois sur 10 sur un ampli qui n'est pas le mien. Je voulais un set qui fasse que je me retrouve au niveau du son dans un Twin Fender, un petit ampli à lampe. Voilà, savoir que j'arrive quelque part, je dois me retrouver, être confort. Et donc on a cherché un petit peu, on a travaillé ensemble sur plein de choses que j'aimais bien. Le type de son que j'aimais, les distorsions, parce que j'en avais pas mal, des pédales disto, des pédales modifiées, des DS1 modifiés aux États-Unis, voilà, et puis je lui ai un peu dit ce que j'aimais bien dans certaines pédales, de façon à ce qu'il regarde un peu comment c'était fait au niveau des étages de saturation, etc. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir de la clarté, c'est-à-dire un son qui... C'est-à-dire que globalement, c'est pas très saturé, en fait. Et ça respecte. Avec du sustain et en même temps un son qui est très vite crunch en fait au volume, et d'avoir une palette sonore parce que souvent le problème des amplis à lampe, il y en a beaucoup qui sonnent bien, mais on a le choix souvent entre des amplis vintage qui ont un son à la fois doux, rond, mais qui manque parfois de saturation et qui manque un peu de précision, et des amplis super modernes où on a beaucoup de gains, beaucoup de précision, mais où ça parle pas. C'est-à-dire, c'est des sons, les aigus sont droits, super durs, et du coup, ça raconte rien. On n'a pas d'expressivité. Alors, il y a des amplis à lampe comme ça, hein, mais comme je disais tout à l'heure, des fois, je me retrouve sur des choses qui ne me correspondent pas du tout. Et même si le son, évidemment, c'est avant tout le guitariste, il y a un confort de jeu qui est lié des fois à du matériel. Donc ça me permettait d'avoir un truc portable et d'aller, voilà, j'ai été jouer à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, un peu partout, et de jouer sur ce qu'il y a et de me retrouver. Hein, c'est lui qui les fait, donc on les commercialise sur son site. Il n'y a pas de grosse production possible, hein, c'est pas délocalisé en Chine. C'est fait par une personne en France, il est tout seul, donc voilà, c'est des petites séries, mais ça existe, c'est vendu, c'est disponible. Voilà. Reposiers 91. Alors je pense que j'ai réussi sur les 3 premiers albums, c'est-à-dire à la fois d'avancer, d'apporter des nouveaux éléments et de progresser. Alors sur Rape of the Earth, les premières choses importantes, les rythmiques notamment. C'est là où on a commencé à mettre des rythmiques grosses caisses, syncopées, comme ça, avec des thèmes... thème comme ça un petit peu pinta et dérive plus néoclassique. Donc ce genre de riffs qui sont un petit peu différents de ce que j'avais fait avant. Des parties plus planantes et puis le truc que je disais acoustique. Donc ça a été un tournant où j'ai intégré plusieurs éléments dans mon jeu.
Et ça a été un petit peu la transition entre Just for Fun et Amphibia, c'est-à-dire que ça commençait à être un peu plus prog, plus de mesures composées, plus d'unisons, plus de structures rythmiques un peu différentes. Rap of the Earth, pour les gens qui m'ont suivi, ça a été un album marquant. C'est pareil, hein, je suis lucide sur ça. Hein. Mais je pense qu'un artiste, globalement, fait les albums marquants de sa vie dans ses premières années de carrière. Si tu prends Van Halen, si tu prends Metallica, si tu prends Yngwie Malmsteen, si tu prends Joe Satriani, si tu prends Steve Vai, si tu prends... Je peux continuer comme ça. Globalement, les albums marquants de ces gens-là sont les 3-4 premiers albums. Et donc, c'est aussi ça qui me fait pas me presser pour le prochain, parce que bon, quelque part, j'ai la sensation que ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Ça ne veut pas dire que j'ai rien à apporter d'autre. Je peux très bien faire un album qui tienne la route, c'est pas non plus interdit, hein. Mais le truc marquant est fait déjà. Personnellement, je préfère Ephemeral World à Rap of the Earth, même si voilà, il y a des choses bien. En termes de son, en termes de plein de choses, je préfère. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire d'album, c'est pas pour ça que je ne vais pas en faire. Hein. Je vais faire un bon album quand même, même s'il n'est pas marquant. Mais on va dire que ce n'est pas la même motivation et c'est plus relax. Ephemeral World, l'album dont tu es le plus fier, oui, sans doute. Je crois que c'est le premier album où je suis satisfait, on va dire, à 90%. Sur Just for Fun, j'étais pas content du son du tout. Certaines compos, j'en étais pas content non plus. Sur Rap of the Earth, au niveau du son, il y a des sons que je ferais différemment maintenant et qui me correspondent pas, et des solos dont je suis pas entièrement satisfait, mais à un moment donné, fallait s'arrêter. Amphibia, je suis quasiment aussi assez satisfait. C'est la production, il y a un son assez gros, mais c'est un poil, maintenant avec le recul, un poil aigu, un poil froid par rapport à ce que j'ai envie d'exprimer. Disons qu'avec Amphibia, ça fait partie des albums dont je suis le plus satisfait. Mais je pense que l'ensemble des compos tiennent la route. Ouais, je suis assez content de cet album. Ouais. Enseignement et pédagogie, c'est important parce que si tu veux, il y a une histoire de transmission aussi. Il y a des jeunes qui arrivent. Maintenant, la musique se transmet beaucoup par Internet, se transmet beaucoup par plein de choses. Et d'aller vers les gens, de les voir en direct et de leur parler, c'est important. Le défaut d'Internet, hormis le fait qu'on télécharge la musique gratuitement, c'est que la façon d'écouter la musique a changé. C'est-à-dire qu'on la consomme beaucoup plus qu'on l'écoute. Et on est pris par des volumes à écouter qui sont énormes. Donc on s'attarde moins. Globalement, maintenant, on a un prisme qui est un peu déformant, c'est-à-dire que tu es chinois, tu as 11 ans et tu fais une reprise de Satriani, tu as 3 millions de vues, tu as 35 ans, tu es musicien, tu fais une belle compo, tu as 2,5 vues. On est dans le phénomène de foire. Alors, ça ne veut pas dire que le chinois, s'il fait un concert, il aura du monde, hein. Ça va peut-être en rester juste des vues sur Internet, mais c'est un prisme qui déforme la vue des choses et qui déforme la création et qui déforme les musiciens pour s'adapter à ça. Si tu veux des vues, tu es obligé d'axer sur la démonstration, le côté clown, le manchot qui fait éruption, enfin bon, des trucs. Enfin, moi, c'est la femme à barbe, quoi. Je trouve ça affligeant. Non pas qu'un manchot fasse éruption, je trouve ça bien que les gens qui ont un handicap fassent des choses. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'ils jouent, c'est qu'ils fassent des compos, qu'ils tournent. Ça ne mérite pas l'impact que ça a, et c'est un impact qui est déformé par rapport à la réalité. Et c'est bizarre, toi, les gens, ils bossent une compo, une reprise de X ou Y, la première réaction, c'est de se filmer, de la mettre en ligne. Enfin, moi, je fais des reprises de gens, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de le filmer, de le foutre en ligne. Je vois pas, parce que je vois pas l'intérêt. C'est pour moi que je le fais. Alors, d'un côté, avant, il fallait une maison de disques. Il y avait plein de barrages dans les médias qui faisaient que ça ne laissait pas la chance à tout le monde. Donc, ça s'est démocratisé. Donc, ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on laisse les gens propre arbitre de leur qualité musicale et de ce qu'ils peuvent diffuser. Et apparemment, ce n'est pas la qualité principale de l'être humain. D'être assez critique pour pas mettre n'importe quoi, n'importe quand. Et les gens qui regardent, bah, ils zappent aussi. Donc si tu veux passer, avoir des vues, soit tu te casses la gueule sur scène, soit tu joues super faux, soit tu joues super vite, soit tu joues super mal. Mais il faut quelque chose de spécial. Tu fais tourner ta gratte, mais si tu le fais bien, on s'en fout. Par contre, si elle se décroche et qu'elle part dans la gueule du mec à côté, là, tu as des vues. Donc j'ai besoin aussi d'aller faire des masterclass, d'aller jouer devant des gens, de leur parler de jouer, de jeu, de son, de groupe, d'authenticité, parce qu'on a des gens maintenant, des générations entières, qui vont avoir des millions de vues sur Internet et qui n'ont pas une composition, qui n'ont jamais fait un concert, qui n'ont jamais joué avec un batteur, qui jouent qu'avec leurs séquences, dans leur studio, leur caméra. Ils font ça super bien. C'est nickel, il y a des trucs, c'est beaucoup mieux que ce que je pourrais faire dans les mêmes situations, mais il n'y a que ça. Et la musique, c'est pas ça. C'est comme si tu faisais de la boxe tout seul dans ta chambre face à ta caméra. Tu es champion de karaté, tu lèves la jambe, tu sautes en l'air, tu fais une toupie, ça super, bravo. Mais t'as jamais fait un combat de ta vie. Ben, la musique c'est pareil, quand tu es sur scène, faut te battre contre ton son, contre tes imperfections, contre la fatigue du transport, les imperfections des autres musiciens, le public, le son à haut volume c'est encore autre chose. Enfin, gérer une vraie situation de musicien, c'est sur scène que ça se passe et ça s'apprend qu'en le faisant. Donc j'estime que c'est important de transmettre ça et de leur en parler.
Ibanez depuis 99, t'es bien renseigné, exact. En fait, je jouais sur Ibanez bien avant. En fait, j'ai commencé, j'ai eu des Stratos, j'ai eu une Les Paul, parce que j'étais fan d'Aldi Meola, donc j'avais une Les Paul Innovation. Et puis j'ai donné des cours à une personne qui s'appelle Michel Quilez, qui était représentant chez Ibanez à l'époque et qui est toujours représentant chez Ibanez. Et je lui ai donné des cours et lui il me dit ah ben moi je travaille chez Ibanez, j'en vends, il y a des guitares qui sont sympas, tu devrais essayer. Et il m'en a ramené une ou deux pour tester. J'en ai acheté une, en fait, une guitare avec... Parce que c'était un peu la synthèse de ce que je cherchais inconsciemment, c'est-à-dire des guitares avec un chevalet flottant, avec des blocages, et puis une conception qui est à mi-chemin entre une Strat et une Les Paul, c'est-à-dire des doubles, mais en même temps une ergonomie de jeu. Et donc j'ai joué sur Ibanez pendant quelques années. Puis quand j'ai fait mon premier album, que j'ai enregistré d'ailleurs avec une Ibanez, une PL 1550, j'ai voulu avoir un endorsement avec eux, et ça a été refusé à l'époque chez Ibanez. Bon, les Français, ce genre de musique, c'était... Ça marchait à l'étranger, il y avait beaucoup de sponsoring, mais en France, ce n'était pas encore dans leur politique. Et j'ai été contacté par ESP, donc je suis passé chez ESP pendant 10 ans. Et puis la personne qui m'avait aidé chez ESP comme distribution, Claude Godefroy, qui m'avait aidé lui en tant que personne, s'est fait retirer la carte d'ESP. Du coup, je n'avais plus tellement de raisons de rester sur cette marque. Et entre-temps, j'avais fait le G3 avec Satriani en 98. Bon, les Japonais ont vu que Satriani faisait un G3 en France avec un guitariste qui ne jouait pas sur Ibanez, et ils ont demandé pourquoi. Pourquoi j'étais pas sur Ibanez, ça aurait été bien peut-être de m'avoir chez eux. Et donc ils m'ont contacté, et puis quand il y a eu le split chez ESP, je suis passé chez eux. Je pense que la musique, enfin la vie en général, c'est que l'important c'est l'humain. Quand je disais tout à l'heure, jouer dans un groupe c'est un cauchemar, bien souvent c'est l'environnement qui est un cauchemar. C'est les managers, c'est les agents, c'est faut faire ci, faut faire ça, faut pas s'habiller comme ci, faut pas se couper les cheveux comme ça, tu vas pas prendre une guitare bleue. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est codifié. Quand Metallica se sont coupés les cheveux, il n'y en a pas un qui s'est dit « bah non, pas moi ». Tout le monde se les coupe, quoi. C'est comme ça. Tu vas dans Guns, tu joues sur Les Paul, tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses qui te sont... même si Ron a réussi à jouer sur autre chose, mais bon, globalement, il y a une vraie pression, il y a un vrai diktat. Plein de choses t'échappent, en fait. Et tu es obligé de te plier à tout ça. Moi, j'ai pas envie de ça, tu vois. J'ai fait deux premières parties d'ACDC dans ma vie, ça a été les pires cauchemars... musicaux, non pas à cause du groupe, j'imagine, en tous les cas je pense pas, mais leur environnement, mais c'est un enfer. Je pense qu'ils n'en sont pas conscients, mais tous les groupes de première partie se sont fait massacrer, et c'est une vraie volonté, c'est un vrai cauchemar. Et donc, moi je veux pas être ça, voilà. Donc je vais être tranquille, je vais faire mon truc, je veux pas de stress, la pression, le stress, le trac de tout, je veux pas vivre avec ça. Voilà, donc l'humain et la vie, la musique, c'est, pour moi, ça s'intègre là-dedans. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi un prix à payer. Tes comportements, tes choix te limitent à un moment donné dans ta carrière. Il faut l'accepter. J'ai croisé des gens qui sont cool, avec qui j'ai eu des bons rapports et qui gèrent bien leur carrière. Je pense à Freak Kitchen, par exemple, avec qui j'ai tourné, qui sont des gens adorables. C'est vraiment des amis qui développent leur truc et qui sont en même temps des gens humainement bien, droit dans leurs bottes, et qui sont talentueux, avec une vraie identité. Donc ça existe. Mais ils ont la chance d'être un groupe soudé, de s'être développé comme ça. Rejoindre une machine de guerre qui est déjà établie avec un staff, c'est insupportable. Vivaldi Tribute. C'est marrant, ça fait partie du passage obligé, ça fait partie des choses que maintenant je dois assumer. Bon, alors je n'ai pas de rancœur par rapport à ça, je suis content d'avoir fait et de l'impact que ça a. Je trouve que c'est loin d'être la chose la mieux que j'ai fait, la chose la plus intéressante que j'ai fait.
Ça m'embête des fois qu'on n'en garde que ça, parce que je trouve notamment que les parties d'Amphibia, c'est 10 fois plus intéressant. Je pense que mon jeu est mieux dedans. C'était juste une bonne idée, pas mal joué, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Autant la version de Vivaldi est vraiment intéressante, parce que le violon, c'est fait pour et c'est magnifique. Autant la guitare, c'est pas beau. Que les pièces classiques, déjà, il n'y a pas d'impro, donc fallait tout apprendre. Moi, bon, je lis la musique, mais je suis pas un grand lecteur. Et donc, il a fallu que je bosse beaucoup les parties, les mémoriser. Et puis, contrairement au néoclassique, où justement, c'est des gammes, des plans que tu retrouves, en classique, chaque mesure te fait découvrir des intervalles que tu n'as pas fait, et chaque plan t'amène ailleurs, et c'est pas lié à mon instrument, donc c'est évident que ça a demandé énormément de boulot. Dans ce que j'ai écouté, bah, ça a été de Pantera, de Metallica, en passant par Malmsteen, jusqu'à Dream Theater, jusqu'à Devin Townsend, jusqu'à Dokken, parce que j'adorais George Lynch, jusqu'à Van Halen, évidemment. Jusqu'à Rob Zombie, enfin des trucs, Rammstein. Je suis dans une période où j'écoute très peu de musique en fait depuis pas mal de temps. C'est un état de fait, je peux pas l'analyser plus que ça. J'ai culpabilisé un peu au début, puis maintenant je me dis bah, c'est comme ça, quand ça reviendra, ça reviendra. Moi j'ai beaucoup de playback chez moi, ça va de repas de Santana à des trucs blues, à des trucs funk, où je fais tourner et puis je joue dessus. Voilà, j'essaye de me faire plaisir et jouer sur des choses assez différentes. Mais je suis moins métal maintenant dans mes objectifs que je l'ai été. Non pas que ça m'intéresse pas, c'est mon évolution musicale, c'est-à-dire sur l'instrument, le fait d'aller vers moins de saturation. Parce que je trouve qu'à un moment donné, dans ton évolution musicale, ça t'amène plus de sensibilité, plus d'émotion. Ça t'éloigne un poil du métal. Et en plus, le métal est parti maintenant, notamment la guitare, avec des guitares à 8 cordes, 9 cordes, beaucoup de saturation, des sons hyper bas. Avec des guitares avec des manches comme ça, et c'est totalement à l'opposé de ma vision du truc. Et je ne vais pas essayer de me mettre dans une mouvance parce qu'il faut suivre à tout prix. Je trouve ça totalement légitime que les nouvelles générations aillent vers autre chose. Et maintenant, c'est plus les guitares à 9 cordes avec un accès fixe. Et je pense à des groupes comme Animal as Leader, des groupes comme ça, qui partent vers des choses qui sont totalement intéressantes, assez novatrices, mais qui ne me correspondent pas. Donc je ne vais pas me mettre à aller vers ça. Ciao.